comment il arrive des bribes, ben, comment se dépanner, puis comment Ça tout a faire ça, évolué là, tu sais. beaucoup. Les arcs à poulies ont évolué beaucoup. Il y a beaucoup de choix aussi. Les allonges, la pression, les styles d'arc sont confortables à tirer aussi, sont légères. Puis la relâche aussi. Moi, je Ah, vise écoute. beaucoup sur la relâche. Aujourd'hui, tu peux aller jusqu'à 90% de relâche, là, surtout qu'en situation de film, on fait beaucoup de films de chasse. Là, fait que des arcs à poulies avec 90% de relâche, quand tu es en pleine extension, tu retiens peut-être un 10% de la pression de ton arc. Fait que c'est très plaisant comparativement à les anciens modèles qui étaient à 70, Écoute, moi 70, j'ai. 80. Ouais, puis moi, j'ai tiré avec des Onida longtemps. Je ne sais pas si tu connais les Onida. Les Onida, j'avais 40% de la toffe. Ben, moi, à l'époque, je tirais au doigt. Fait que je voulais avoir un arc qui arrache. Quand les arcs sont tombés avec la toffe de 70-75%, j'aimais moins ça de tirer au doigt. Mais écoute, je n'ai jamais tiré au déclencheur. Ça va être une première, là.